Mouvement est à pratiquer, faut toujours répéter. Aujourd'hui, je vous montre comment faire la fameuse carte boomerang. Je dois me discipliner pour pouvoir progresser. Mon moral sera testé, faut pas abandonner. La carte boomerang, ça a toujours été une fioriture que j'ai adoré présenter. C'est très impressionnant et c'est pas si compliqué. Je vais prendre le temps de vous le montrer comme il faut. Donc, c'est tout simple. Tout ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une carte sur un coin, le coin supérieur gauche. Vous allez tenir la carte principalement entre votre pouce et votre majeur. Les autres doigts, l'annulaire, puis l'auriculaire, le petit doigt, tout ça, sont là simplement pour appuyer la carte. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire pivoter la carte avec votre index. Donc, l'index va reculer et de cette façon-là, va faire pivoter la carte dans le sens des aiguilles d'une montre. Bon, tout ça, c'est combiné avec un petit mouvement de votre poignet et le fait que vous allez lâcher votre pouce et votre majeur au moment où l'index va tirer. Il y a beaucoup de choses en même temps, mais je suis certain que vous allez réussir, c'est très intuitif. Donc, vous allez simplement tirer l'index, lâcher les doigts et donner un petit coup de poignet en même temps. Vous allez pouvoir le lancer et rattraper la carte comme ceci. Bon, maintenant, c'est le temps de la pratique. Okay, je l'ai. On ne peut pas pratiquer éternellement. Après les efforts viennent les accomplissements. On ne devient pas un pro si facilement. Pour y arriver, j'ai travaillé durement. Bon, maintenant que vous avez pratiqué, là, il faut pousser les choses un petit peu plus loin, là, hein? Vous pouvez essayer de gagner en hauteur, hein? Donc lancer des boomerangs là, beaucoup plus haut. Hein? Ça peut être encore plus impressionnant. Vous pouvez aussi essayer de le faire avec votre carte de bibliothèque, hein? Ou avec une carte de guichet ou quelque chose comme ça. Hein? Donc, l'important, c'est de rendre ça impressionnant, hein? Pour que tout le monde trouve que vous êtes de grands manipulateurs. Comme toujours, si vous avez réussi, prenez le temps d'aller nous le dire dans les commentaires. Et par la même occasion, vous pouvez aller vous abonner et aller écouter aussi l'album du spectacle, hein? Vous allez pouvoir danser. N'oubliez pas, à chaque fois que vous voyez quelqu'un qui fait quelque chose d'impressionnant, c'est parce qu'ils ont pratiqué. Et ça recommence encore. Vous gardez espoir, rien que vous.